Ouais, c'est Crash, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Lego Batman, le jeu vidéo. Et on va faire le dernier niveau de l'épisode 1. Voilà. Donc c'est parti, c'est le niveau 5 de l'épisode 1 qui le niveau s'intitule Règlement de compte. Voilà. C'est parti, on va le faire. Let's go. Et la prochaine vidéo, ce sera le niveau 1 et l'épisode 2. La prochaine vidéo, voilà. Alors, Edward Nigma, alias le Sphinx, dans le film qui est joué par l'extraordinaire Jim Carrey, voilà, est un obsédé des énigmes, des puzzles et des jeux de mots. Il trouve plaisir en laissant des indices sur les scènes de ses crimes pour Batman, qui en général amène à sa défaite avec une technologie spéciale incorporée dans sa canne. Il peut prendre le contrôle des esprits des autres. Eh bien, nous voici dans le fameux niveau qui s'intitule Règlement de compte. C'est le niveau 5 de l'épisode 1. Et après, comme je vous ai dit avant que la cinématique commence, eh bien, prochainement, on fera l'épisode 2. Voilà. En tout cas, je vois que ça vous plaît toujours autant. Donc, merci à ceux qui commentent. Merci à vous. Bah, pour info, tous les derniers gameplays que vous avez vus, du niveau 2, 3, 4 et celui-ci, j'ai tout tourné en même temps, hein, les vidéos, hein, si vous vous demandez. Voilà. Je voulais tout tourner en même temps, comme ça. Comme ça, je peux les poster en temps voulu, après sur la chaîne. Bah, c'est sûr, je poste pas tout le même jour, hein, mais des fois j'essaie que ça soit équilibré pour poster les vidéos. Bon, c'est vrai que j'ai pas de jour prédéfini, hein, pour faire des vidéos ou des lives, hein. Donc voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont toujours abonnés à ma chaîne, ça fait plaisir. Merci à vous. Oh, ça lagouille un peu, hein. Faut pas dire, mais on casse un peu tout là. Y a pas de pièces, non. Ça se casse pas, ça. Non. On sait jamais, hein. Toujours vérifier que qu'il y a des trucs à casser dans les jeux Lego. C'est la base. Et voilà. Et là, on doit prendre le véhicule de la banque. Bon, pardon, Robin, pardon. Ouais, voilà, on a juste à faire ça. Bon, là, je l'ai mal placé le véhicule, hein. Je vous cache pas que je l'ai mal placé, mais bon. Moi, je peux descendre du véhicule, hein. C'est pas nécessaire de rester. Mais bim! Et regardez là, les murs. C'est en Lego. C'est en formule de Lego. Stylé. Ils ont vraiment tout pensé, hein, TT Games, quand ils ont fait ce premier Lego Batman. Ouais, les pièces.
Là, je trouve que ça monte vite en pièces. Ouais, il y avait une pièce là. J'ai pas fait gaffe. Voilà. On ramasse. Ah oui. Il va y avoir une tenue pour Batman là à construire. Ici là, vous voyez, il y a le logo. Il faudra construire. Ce sera pour une tenue pour Batou. Voilà, voilà. Ouais. Ah voilà, comme je vous ai dit. Attends. Ah non, 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 ça c'est pas pour tout de suite, c'est Robin qui va le faire. Pour Batou. Ouais, voilà. Non, de l'autre côté, Robin. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je fais? Oh, je suis trop bête, moi. Voilà, c'était moi, j'avoue, c'est de ma faute. Parce que moi, je voulais prendre les pièces, mais... Oula. Je veux pas faire le fou. Il est cassé comme ça. Des pièces, c'est des pièces qui sont tombées. Moi, je suis pas de port des pièces, mais moi, j'aime bien ramasser les pièces. Ah ouais. Donc là, ouais, je suis obligé de remonter en haut. Je peux pas y aller comme ça. Parce que si j'y vais comme ça, là, je vais me tuer. Ça va me faire perdre des pièces. J'ai pas trop envie. Voilà. Aïe. Ça, je m'en doutais que j'allais foncer dedans. Voilà. On peut casser ça, là. Les trucs autour, les panneaux, là. Avec ton casse ça, bim. Aïe. Ok, et voilà, comme ça Robin, il va pouvoir venir. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner là-bas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu retournes là-bas, Crash? Et bah pour prendre le véhicule. Et ouais, on est obligé de tout refaire le chemin pour aller prendre le véhicule. Et ouais. Parce que sinon, si on va pas chercher le véhicule, bah on peut pas avancer quoi. Voilà. Moi je sais, tout à l'heure j'aurais pu l'avancer le véhicule. Ouais, voilà. J'ai ouvert le passage. Je veux continuer à prendre Batou. Les pièces. Bah se sont barrées les pièces, tant pis. Tiens, bim. Tiens, il y a une moto là. Ouais, ça lag là, hein. Mais bim. C'est moi qui fais la loi, Gotham. C'est moi qui combat le crime d'abord. C'est moi Batman. Je suis Batman. Surtout j'aime bien dans les jeux Lego. Comme Batman, des fois il se la joue un petit peu, j'aime bien. J'avoue. Mais là comme c'est le premier jeu Lego, bah il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a pas le truc humoristique de Batman. Moi j'avoue, j'aime bien la voix de Batman dans les jeux Lego. Mais j'aime bien les voix françaises en vrai. J'aime bien savoir qui est le comédien qui a doublé des voix de jeux vidéo par exemple. J'aime bien savoir c'est qui. Ou des films hein. C'est comment déjà?
Attends, je m'en rappelle plus. Ah, c'est pas qu'une moto, non? Ah, si, c'est ça. Ou c'était avec un véhicule, hein, pas obligé d'avoir une moto. Ouais, le niveau 5, celui-là. Règlement de compte, il s'appelle le niveau là. Voilà. Avec... On va toutes les pièces, hein, comme d'hab. C'est la base dans les jeux Lego. Après, je sais que ça met beaucoup plus de temps à tout ramasser. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien ramasser les pièces dans les niveaux. Oh, là, la pièce bleue là. Ça fait plaisir. En plus, les 100% des pièces, c'est gelé dans ce jeu Lego, ça va assez vite à faire, je trouve. Ça va, on aura eu tous les 100% des autres niveaux aussi. Ça, c'est bien cool là. Attends, faut la combinaison de Robin après. Hop là. Et on va monter ici. Voilà. Là, celui-là que je l'avais testé de mon côté sur le PSNO. Mais j'avais bien aimé tester le jeu déjà une première fois. Même si c'est pour là c'est pour y rejouer, mais là c'est pour vous le montrer aussi, pour le refaire sur ma chaîne, puis ça me fait plaisir d'y rejouer. Ouais, faut savoir que c'est vrai que dans les premiers jeux Lego comme ceux-là, il n'y avait pas de dialogue. Donc voilà, c'était que des gestes en fait. À la place. Mais après, ça n'empêche pas de kiffer le jeu, quoi. J'ai envie de dire. Et bien sûr, il y aura toujours du Lego Pirates des Caraïbes également, hein. Ne vous inquiétez pas. Pour ça, mes amis. Puis voilà. En tout cas, c'est cool. Je suis vraiment content. Je trouve que j'avance de plus en plus en contenu sur ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, ouais, du coup. Ouais, ça fallait juste. Ben non, mais pourquoi. Non, non, pour what, pourquoi tu me fais ça là? Ah bah, Robin, excuse-moi, mais tu reviens après. Ouais, il est dans la cinématique avec Batman, donc il suit, hein. Le Sphinx, pile ou face. Ah là, il y a les deux méchants. De retour. Et oh, tu te calmes, Piloufas. On l'avait déjà battu une fois dans un niveau, rappelez-vous, hein, dans son camion blindé. La petite pièce bleue qui fait plaisir, ça c'est cool, ça. On lui a enlevé deux cœurs. Bon, vous me direz.
Ah mais Crash, mais là il a plein de cœurs double face là. Ouais, c'est facile hein, à l'avoir. Si vous vous demandez hein. Pas trop compliqué à avoir. Oula. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Chevalier noir ne meurt jamais. Oulala, c'est dangereux ce que je fais. Là, c'est Robin. La combinaison. Ouais, c'est ça. La combinaison. Spyro, ouais, c'est ça. Ah, bah non, mais qu'est-ce que. Trop bête. Mais non, mais non. Oh là là. Attends. Avec Batou, là, il y a des trucs là. Ok. Bon, allez, je reviens là, moi. Avec... Non, mais Robin, fais pas ça. Hop, on prend ça. Parce que vous avez vu là-bas, il y a un distributeur. Enfin, un distributeur. Truc pour mettre les déchets verts, jaunes et rouges. Voilà, hop. Hop là. Et là, je pense que on est bon. Ouais, 25, ouais, c'est bon, nickel. On est bien. Voilà. C'est marrant. Regarde, un petit bateau. Un bateau. Non, je rigole. Et voilà. Regardez-moi ça, comment on a vite fait le 100% là, presque. Attends, je crois qu'il faut aller vers double face. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais toi? Mais non, mais va vers... Ah, ben non. Ah mais l'autre faut qu'il se mette au bord quoi. Juste pour c'est juste fait exprès pour que j'aille dans l'acide et que je me tue ça. Ah là 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 là. C'est Batman, tu peux venir hein. C'est ton jeu Batman hein. Comme c'est Lego Batman. C'est pas Lego Robin. Hein. Lul. Batman, je sais pas pourquoi tu restes là-bas, mais bon. Et moi, je vous attaque, moi, déjà. Ah, bim! Comme ça, je suis tranquille, moi. Pourquoi? Mais Batou, tu sais, tu peux venir, hein, faut pas être timide, hein. Oh, la blague. Voilà. Ah ouais, moi j'insiste, hein. Ah voilà, bim. Non.
Après, le reste des trucs là, c'est pour les mini-kits, hein. Robin, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas où il est là, il est resté là-bas du coup. Bah écoute, hein. Robin, qu'est-ce que tu fais? Non mais tu sais que tu peux avancer, hein. Et maintenant c'est Batman. Oh, ok. Mais bon, moi je l'ai ramené comme ça il vient avec moi. Oh non, ces trucs là, c'est relou ça. Ah, j'aime pas ça. Ça c'est un conf. Oh non, mais c'est pas possible. Non, 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 non. Mais non. Ah, je vous l'ai dit, ça me fait rager ce truc. Non mais c'est. En fait c'est relou là. Hein. Non mais non mais non mais non. Non mais là je perds des pièces, ça me fait rager en plus. Je sais plus comment ça marche bidule là. Non mais au bout d'un moment, stop. Non mais stop en fait là, ça saoule. Puis je sais pas comment, je sais plus comment ça marche bidule là. Non mais ça saoule en fait là, c'est bon. Fait perdre plein de pièces là. Ah mais c'est comment ce truc là déjà? Jamais rien capté à ce machin, sérieux. Non mais c'est relou en fait, hein. Je t'explique. Alors en fait je peux continuer, mais qu'est-ce que je m'embête moi? Mais pourquoi je m'embête? Pourquoi je m'embête? En plus je perds des pièces, bon rien. Ah re. Ouais, ça c'est bien moi ça. Désolé. Je me rappelle plus qu'on pouvait avancer, moi faut que je trouve le moyen de perdre mes pièces. C'est pas grave. La première fois je savais pas que je pouvais avancer, je croyais qu'il fallait. Il y avait un truc spécial à faire. Enfin bref, c'est pas grave. Double face, laisse tranquille. Il me fait mal double face, hein. Ok. Il y a un mini kit là. Hop là. Oh, oh, oh mais comme ils font du bruit abusé. Ah oui, la pièce violette là. Yes, et voilà. Et ben, finalement, je l'ai eu ce 100%. Moi, je les aurais tous eu dans l'épisode 1, les 100% des pièces. Moi, tu me diras, je récupère des cœurs. Je casse tout, moi. Voilà, notre mini kit là. Ah, par contre, il fait du bruit quand il tire, hein. Eh, dis donc. Ouais, cool, cool. Ah, voilà, tire. C'est bien, comme ça, ça m'arrange. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que je pouvais lui tirer dessus. Que je suis bête, moi.
Viens. Après, là, il revient avec ses sbires. Juste les battre. Rien de plus simple. Hop, le petit cœur, voilà, je récupère mes vies. Allez, viens. Non, mais là, je le tape pas, là. Mais allô? Moi j'ai alterné entre Batman et Robin. Enfin, pour info si vous vous demandez, j'ai tous les films Batman hein, en Blu-ray, pour info si vous vous demandez. Et bah, j'aimerais savoir c'est quoi votre film préféré de Batman. Moi perso je les aime tous, ils sont tous bien. Donc vous me direz ça en commentaire, quel est votre film Batman préféré. Moi comme je les ai tous, je les aime bien tous. Après j'ai des préférences bien sûr, mais voilà. Maintenant, l'homme mystère il se ramène, j'allais dire le sphinx. Attends les pièces là. Tac, ah, et là il contrôle machin là, pile ou face. Bim, voilà, c'est fini pour l'homme mystère et double face. Et voilà, le niveau est terminé déjà. Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce dernier niveau de l'épisode 1. Et prochaine vidéo, on attaquera l'épisode 2, les amis. Voilà, on avance bien dans l'histoire du jeu. Voilà, voilà. En tout cas, c'est cool, total des pièces. On est bien dans les pièces, là. On est bien. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. Ouais, je suis content, je suis content. On avance bien dans le jeu. Terminé histoire. Voilà, parce que c'était l'épisode 1. Donc voilà. Et ben on se laisse après, la cinématique, je sais pas s'il y a une cinématique encore. Je crois que c'est le générique de fin, je crois, hein. Il me semble que c'est le générique de fin, je suis pas sûr. On va voir. Ah oui, voilà. On se retrouve après la cinématique. Et après, on se laissera sur cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, de retour. C'était la dernière petite cinématique. Comme vous voyez, on a attrapé tous les méchants de l'épisode 1. Donc, dans l'épisode 1, il y avait Gueule d'Argile, il y avait Double Face, Poison Ivy, le Sphinx, non, je sais plus, si je crois. L'homme mystère aussi, voilà. Ah oui, Mister Freeze aussi, voilà. J'allais l'oublier celui-là. J'espère que j'en ai oublié aucun. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce premier épisode. On l'a enfin terminé. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, c'était un grand kiff de faire cet épisode 1. Mais l'aventure ne se termine pas là. Le jeu n'est pas encore fini. Là, on a fait 5 niveaux. Parce qu'en fait, dans les 3 épisodes, dans chaque épisode, il y a 3. Non, il y a 5 niveaux, ce qui fait qu'il y en a 15 en tout.
Et ce qui fait qu'il nous en reste encore à peu près une dizaine de niveaux. Voilà. Voilà, une dizaine de niveaux. C'est cool. Voilà. En tout cas, ouais, moi, franchement, même c'est vrai que si c'est un ancien jeu Lego, ce Lego Batman là que je suis en train de vous faire, eh ben, franchement, c'est quand même un kiff quoi de vous le montrer sur ma chaîne. Voilà. Pour ceux qui l'auraient jamais vu, voilà. Ceux qui ont l'occasion de le voir, bah, n'hésitez pas hein, à regarder les gameplays. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Donc là, on a déjà terminé l'épisode 1. Et ensuite, on attaquera l'épisode 2 ainsi que le troisième. Et après, quand on aura fini ce Lego Batman, comme je vous l'ai promis, comme je me répète, on fera également Lego Batman 2. DC Super Heroes, je crois qu'il s'appelle comme ça le 2. Voilà. Et après, il y aura la trilogie des Batman sur ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Je suis le plus heureux. Si vous êtes heureux, ben moi aussi, je le suis. Voilà. Que ouais, c'est toujours un plaisir de vous faire des jeux sur ma chaîne. Franchement, et merci du soutien. Je sais pas quoi dire. Franchement, merci à vous, ceux qui sont encore abonnés à ma chaîne. Franchement, merci à ceux qui viennent sur mes vidéos, sur mes lives. Franchement, vous gérez de ouf. Un grand merci à vous. Je vous remercie. Voilà. Et une bonne année. Voilà. Une bonne année encore une fois. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo. Non, je crois pas que je l'ai dit. Mais je vous souhaite une bonne année 2022. Voilà. Donc, de toute façon, dans cette nouvelle année en 2022, de toute façon, il y aura encore plein de jeux sur ma chaîne cette année. Voilà, il y aura du lourd qui va arriver. Il y aura toujours du Lego Pirates des Caraïbes, comme je l'avais dit dans un gameplay. Ça sera toujours d'actualité, ça, vous inquiétez pas. Voilà. Il y aura d'autres jeux, voilà. Après, quand on aura fini ce Lego Batman, il y aura le 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit plein de fois. Et ensuite, il y aura encore du Lego Pirates des Caraïbes à continuer. Il y aura quoi aussi? Après, les autres jeux, voilà, c'est une surprise, je ne vous dis pas. Donc voilà, restez connectés. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Moi d'habitude, je coupe là le générique de fin pour les vidéos. Mais là comme j'avais envie de parler avec vous dans la vidéo, je me suis dit, ouais, je vais laisser quoi. Voilà, c'était pour terminer l'épisode 1. Voilà. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce gameplay. J'espère que vous avez kiffé. Moi, c'est le cas, en tout cas. Donc merci à tous franchement de votre fidélité, vous gérez de ouf. Et bah la prochaine vidéo, ce sera l'épisode 2. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, on peut changer, on peut switcher là avec les méchants, comme vous voyez, ceux qui sont emprisonnés. Ah, regardez, c'est assez drôle je trouve. Ceux qui sont en prison, c'est ceux qu'on a battus dans l'épisode 1, voilà. Là, ils sont à l'asile d'Arkham. Donc, ouais, on peut juste. On peut jouer avec les méchants, quoi, de l'épisode 1. Hein, c'est assez marrant, je trouve. Voilà. Ok. On peut quand même se tuer, hein, ça change pas, ça. Alors, je sais pas où c'est déjà pour. Prochain niveau. Ah, ouais, ça, c'est. Amélioration de tenue. Ah ouais, c'est bloqué, ok. D'accord. Moi, je savais pas ça. Quoi qu'il en soit, on va se laisser là, hein. Je sais pas pourquoi je tourne en rond. Voilà. Bon, eh bien moi, je vous laisse.
Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse et je vous dis bye bye, ciao ciao, merci d'avoir regardé. Salut salut, à la prochaine, ciao ciao.